Makarov. Les nouvelles vont vite. Seulement s'il le veut bien. Vous pensez qu'il bosse pour le Kremlin? Ça m'étonnerait pas. J'ai un contact qui connaît peut-être la réponse. Il faut qu'on m'emmène. Où? À la base militaire d'Arklov. Elle est très protégée. Je peux compter sur vous? Pour arrêter Makarov, évidemment. Je dois entrer et surtout sortir. Mais ça peut vite se compliquer. J'aime les situations compliquées, Laswell. C'est bien ce qui m'inquiète. Qui est votre contact? Yuri Volkov. Il fait partie de l'équipe? Il s'est porté volontaire. Ça, c'est Yuri. Et on part quand? Tout de suite. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Ok Watcher. Donc là on est avec Laswell. Ok. Dissimulez votre arme. Je cache mon arme. Du coup je peux y aller normal là. Mais silencieux c'est pour les assassins. Là vous êtes en mission diplomatique. Reçu, ça va être dur d'entrer dans une base ennemie sans arme à la main, mais vous avez raison. Yuri devrait vous avoir envoyé sa position. Affirmatif. Le bâtiment administratif d'Arklov, près du hangar. Mais je peux y aller normal ou il faut quand même que j'évite les gardes? Bien reçu. Ils ne tarderont pas à remarquer l'absence de Yuri. Il faudra faire vite. J'entre et je sors, pas de blessés. Non, ça a l'air d'être normal. Dites-moi ce que vous voyez et j'essaierai de vous aider. Ok. J'approche de l'entrée, Nick. Vous devez entrer maintenant. On a l'air de pas se faire opérer, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a un moment où on va se faire niquer? Je dois être plus discrète. Changer de position. J'ai un problème. Il me faut une carte d'accès. Une chance que vous soyez là. Je suis rentré là. Je piquerai la carte d'un officier. Tous ceux qui entrent ou sortent du bâtiment en ont probablement une. Bien vu. Attendez qu'un officier quitte le bâtiment. Je vois un major sortir. Ah oui. Pas seul. Trouvez votre cible. Suivez-le et prenez sa carte d'accès. On le suit. Le major s'éloigne. Il monte vers un bureau. Ça pourrait être un bon endroit pour le neutraliser. Essayez de semer. Alors en fait, faut pas être sur place. Faut tout le temps marcher, j'ai l'impression. Sur place, tu te fais vite. Ah, j'ai rien dit. Wow. Je me suis pris une balle. Changer de position. J'ai un problème. Il me faut une carte d'accès. Une chance que vous soyez une espionne. Si je reste ici. J'ai la carte d'un officier. Il a pas l'air d'avoir d'ennemis. Du bâtiment en ont probablement. Je reste ici. Dès qu'il monte, je le suis. Attendez qu'un officier quitte le bâtiment. Il est où? Je vois un major sortir. Voilà. Il est pas seul. Attendez qu'il soit seul avant de l'attaquer pour récupérer sa carte. Le major s'éloigne. Il monte vers un bureau. Ça pourrait être un bon endroit pour le neutraliser. Ok. C'est bon, il rentre, on va voir. Когда он будет подготовлен к инспекции? Il est mort. Ah mais je pensais qu'il fallait juste...
Ah mais attends, mais il y a un problème. Parce qu'elles m'ont dit dégainer l'arme. Et moi je pensais qu'il fallait juste au tout début début dégainer pour lui faire peur. En fait, faut le tuer. Une chance que vous soyez une espionne. Je piquerai la carte d'un officier. Tous ceux qui entrent ou sortent du bâtiment en ont probablement une. Bien vu. Attendez qu'un officier quitte le bâtiment. Je vois. Je monte en haut, je flingue les deux. Hein. Et je pense qu'il faut pas qu'il y ait un coup de feu ou un truc comme ça. Avant de l'attaquer pour récupérer. Ah si, de l'attaquer, ouais, c'est ça, faut le tuer. Le major s'éloigne. Il monte vers un bureau. Ça pourrait être un bon endroit pour le neutraliser. Ils sont en alerte, je dois bouger de là. Évitez de vous faire repérer, Laswell. Il est mort. Cible éliminée, j'ai la carte. Il s'est sacrifié pour la bonne cause. J'avais pas le choix. C'est la faute de Makarov, pas la vôtre. J'attire trop l'attention. J'espère que les infos du Uri en vaudront la peine. Je suis dedans. Yuri a dit qu'il serait dans une salle de stockage au bout du couloir, à droite de l'entrée. J'entre. Ok, ça va. N'hésitez pas les gars à mettre le petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Petit commentaire aussi pour le référencement, ça aide. Watcher, je suis impressionné, mais pas surpris. Un problème ? Plusieurs. Des dommages collatéraux. J'espère que leur sacrifice en vaut la peine. Hmm. Qu'est-ce que vous avez ? Des dossiers du FSB sur les recherches de Barkov. Les armes chimiques. Quand il était soldat, Makarov était fasciné par leur potentiel. Est-ce qu'on peut les neutraliser ? Je vous donne tout ce qu'on sait. Pourquoi ? La Russie et l'Occident font face à des menaces communes. Il est impératif que l'on collabore pour les arrêter. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Nicolas, il serait d'accord avec ça. C'est un vrai patriote. Le Kremlin n'a rien à voir avec ces agents chimiques. Ça veut pas dire que Makarov ne travaille pas avec Moscou. Il y a des extrémistes dans nos deux gouvernements. Hmm? Watcher. Oh, Watcher. Répétez, bravo. Laswell, vous êtes là ? Bravo, je vous entends mal, répétez. À l'aveugle, Tommy Six se dirige actuellement vers la base d'Arklov. Il transporte des têtes chimiques. Si vous êtes là-bas, parquez. En exercice. Non, c'est pas... Wow. Ah, c'est les bombes, ils arrivent. Je sais pas si je dois prendre l'arme au bout d'un négatif, moment ou pas. C'est séparé. J'y suis presque, Nick. Attendez-moi. Du terminal. Au moins 158 morts et plus de 200 blessés sont à déplorer dans la base castovienne. Plusieurs explosions dans ce qui ressemble à une attaque chimique ont pu être observées. Le Kremlin accuse l'Occident de ce qu'il qualifie d'attaque barbare et injustifiable. Il exhorte les dirigeants du monde entier à considérer le FLU comme une organisation terroriste.
est un haut lieu du terrorisme depuis des années. Et qu'a-t-on fait à ce sujet? Absolument rien. Le FLE agit en toute impunité. Et d'après ce que nous savons, ils ont des armes capables d'atteindre Moscou. Qui nous dit qu'on est en sécurité? Passagère. Vol russe. Jolie famille. Merci. C'est important, la famille. Oui. Ah, ma capuche là-haut, il est bizarre. C'est l'anniversaire de ma fille. Votre fille ira bien. Comment est-ce que... Votre fils Tariq, Khalid, votre mari. Est-ce qu'on se connaît? Moi, je vous connais, Samara. Vous avez combattu avec le FLU. Contre les Russes. Oui. Il y a des années. Des années. Écoutez, taisez-vous. On va détourner cet avion. L'équipage, les Air Marshall, ils sont tous avec nous. Et vous aussi. Pour l'Urzikistan. Allez. Debout. Le début de mission, j'aime bien. Infiltrer un avion en train, c'est. Je crois que dans Call of, on l'a jamais eu ça. Un détournement d'avion. On entame la descente, donne-moi le gilet. Bonjour Samara. Tu as surpassé mes attentes aujourd'hui. Pour qui vous vous prenez? C'est... pour ce que tu représentes, Samara. Mais qu'est-ce que c'est? Une bombe. L'histoire. Enlevez-moi ce truc, espèce de sale connard! Chut, 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 chut. Ce que tu accomplis là fera de toi une héroïne, Samara. Personne vous croira. Je ne suis pas une terroriste! Non. Tu es un soldat citoyen poussé par Farah Karim à attaquer la Russie. Tu défends la liberté. Vous êtes russe, et cet avion est rempli de Russes. Comment pouvez-vous tuer votre propre peuple? Non, c'est pas moi qui l'ai tué. C'est toi. On est descendu à moins de 2500 mètres. Pour l'Urzikistan, Samara. Pour ta femme. Chaud. Nous venons d'apprendre.
Ah, ça me fait penser à la scène de Terminal. Quand on sort de l'ascenseur et qu'on tue tout le monde. C'est le même principe, mais en avion. Pourrait apporter des réponses seulement quelques heures après l'attaque contre la base d'Arklov. A subi de lourdes pertes. Je pense que les deux incidents pourraient être liés dans le cadre d'une attaque véronique. Tous les terroristes. Les tensions n'ont jamais été aussi. Ça, c'est encore un coup de Makarov. Il a fait plus de dégâts en 72 heures que Connie ces 5 dernières années sans lui. Cet avion de ligne est tombé dans mon pays. C'était pas un accident. Il faut que j'aille sur place pour le prouver. D'après l'OACI, l'avion est parti de Kastovy en direction de Sochi. Le contact a été perdu dans cette région. Ça me suffit. Allez-y vite avant l'arrivée des autorités. C'est pas les autorités qui m'inquiètent. Bonne chance, Farah. De nuit peut-être. Le site du crash derrière la crête. Oui, je le vois. Quelle tragédie. Quelqu'un nous a devancé. Un groupe privé russe. Le groupe Connie. Makarov. Il va encore nous mettre ça sur le dos. On doit comprendre ce qui est arrivé à cet avion. Prouver au monde qu'on n'y est pour rien. Il n'est pas question de passer pour des terroristes. Pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Je descends. Farah, il y a au moins 20 soldats là-bas. Voilà, c'est Farah, mec. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Soutiens-moi. Mets-toi là-haut et couvre-moi. Bien, commandante. Mec, ils ont bien fait de l'intégrer, Farah. Je pense que c'était les deux, je crois. Les derniers. Je trouve qu'elle est pas mal. Elle joue bien son rôle et tout. Je vois plusieurs équipes de Connie au milieu des débris. On dirait qu'ils sécurisent le site. Site du crash. Ah, feu à volonté. On non. Tout ce qui pourrait nous aider. C'est une mission ouverte. Laswell a déployé un traceur pour capter des signaux dans la zone. C'est chiant, ça. Localiser les téléphones des passagers et retrouver la boîte noire. Reçu. J'y vais. Ok, voilà. Petit visage en viseur. Je te préviens si je vois quelque chose. Bien, mais reste sur tes gardes. L'endroit brouille d'ennemis. Ces hommes ne sont pas les bienvenus dans mon pays. C'est leur comprendre. Je vais pas me gêner. Il y a des bruits genre de vent ou quoi, j'ai l'impression que c'était des pas. Ouais, j'étais résistant, mon gars. Ça peut être sympa, ça. Le problème, il y a des ennemis du coup que je ne vois pas. Oh merde. Oh lol. Alors là mon gars, j'ai eu un shoot. Il était juste, mais magnifique. Je vois rien d'exploitable ici. Il y a des débris là. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Reçu. Ouais. Par contre. Ok, il y a un truc ici. Par contre, je sais pas si mon laser vert, du coup, les ennemis le voient. Caisse de ravitaillement, qui d'autoréa, jamais.
kilos. Tu peux continuer. Bien joué, Farah. Ils savent toujours pas où t'es. Ouais, mais le problème c'est que celui où j'ai pété son... Ok. D'autres qui arrivent ? Ah, il y a un point d'interrogation. À l'intérieur ? Ah ouais, c'est pas des petits renforts par contre, hein. Ah, les points d'interrogation, ça me... Wow, c'est quoi ces mecs qui ont des gilets de ouf là? Par contre, j'arrive pas à savoir du coup. Je vois des tas de ferrailles et de débris dans la zone. Jette un coup d'œil. Compris, Alex. Ceux-là sont morts, mais d'autres arrivent. J'ai trouvé un portail. Je lance le scan. Ça nous aidera. Les airs marchent. Il crie sur quelqu'un qui tient le pistolet. Le traceur capte un signal près de ta position. Reçu. Bien vu. Kilo, attention. Des renforts ennemis se dirigent vers toi. C'est bon, il y en a plus là-dedans. C'est bon. C'est que le début, Connie a pas dit son dernier mot. Par contre, il est censé avoir des trucs. Hein. J'en ai trouvé un. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une femme qui tient une arme. C'est marrant. Elle fait partie de cette arme. T'es sûr? Oui. Il ferait jamais ça. Les gens changent. Regarde ton frère. Avec un gilet explosif. Ça n'a aucun sens. D'abord une arme. Et maintenant un gilet. Elle a l'air paniquée. Elle ne veut pas faire ça. Personne ne le verra de cette manière. Makarov veut montrer ses images au monde entier. On peut pas le laisser faire. Compris. La boîte noire contient des informations capitales comme... Je suis devant la boîte noire. J'ai trouvé la boîte noire. Je détruis les données. Je laisserai pas Connie s'en servir contre le FLE. Affirmatif. Grille tout. On a passé le site au peigne fin. Il reste plus rien à récupérer. Tout est nettoyé. Fichons le camp d'ici. On se retrouve au point d'infiltration. Bien reçu, commandante. Pas d'armure, ouais, vas-y, on va la prendre. On l'a visité, ça, par contre. Il y a un problème. 3-1, qu'est-ce qui se passe? Connie approche de ma position. Je suis compromis. Ne viens pas. Lol. Alex, t'es où? Oh, lol. 3-1, tu me reçois? Echo 3-1, est-ce que tu me fous en tête? Oh. C'est bon, je suis mort.
Wow. Là, je lui mets des coups de crosse, ça a pas marché. Ouais, donc faut que j'évite de tirer sur les ennemis qu'il y a là à la fin. On a tout ce qu'il nous faut, Farah. On n'a plus rien à faire ici. Et du coup, j'ai récupéré la caisse, du coup, ça me la garde ou pas ? Ok, ça me garde la caisse. L'exfiltration, elle est là-haut. Hop, j'ai plus besoin du snipe. On l'avait visité. Ils ont à peine touché. Bah. Merci. Je bouge. Pote de mine. Maintenant, je suis sur le bon chemin. Découvrir d'où sortent ces soldats et où ils vont. Je vais te laisser. Attaque que si t'as vraiment pas d'autre choix. Je garderai mes distances. Essaie de pas te faire prendre cette fois. Je te promets rien. Elle a déjà fini la mission ? Elle était rapide. Très rapide même. On a quand même fait deux missions en même pas 20 minutes quand même. Dans un avion de ligne russe. Elle a été forcée, j'en suis certaine. Samara. C'était une vraie combattante. Elle a rejoint le front durant l'occupation. Elle a dû s'occuper de sa famille. Il y a eu quoi sur le site du crash ? Ils plaçaient des preuves pour nous piéger. Et ils ramassaient le reste. On en a tué beaucoup et on a pris les téléphones. Et la boîte noire ? On l'a détruite. Bien. Vous avez empêché Makarov de manipuler la vérité. Si des agents de Connie étaient dans cet avion, ils ont échappé au crash. Makarov ne laisserait pas de traces. Certaines personnes penseront que le FLU est derrière tout ça. Mais grâce à vous, personne ne peut le prouver. Les gens spéculeront, mais vous avez battu Makarov à son propre jeu. Ça suffit pas. J'ai envoyé Alex traquer Connie. S'ils sont en Urzikstan, il les trouvera. Bien. Je vais retrouver la 141 et quoi qu'on découvre, vous le saurez. Au fait, Farah. Oui, Laswell. Je suis désolée pour Samara. Moi aussi. Camarade. Mieux maintenant, capitaine. Putain d'ultranationaliste. Voici les images de l'aéroport. Le passager avait un billet pour le vol 761. Avec un faux passeport. Ou un complice. Très certainement. Et personne l'a arrêté. Bref, un jeu d'enfant. C'est Makarov. Farah et Alex, qu'est-ce qu'ils ont ? Rien qui puisse prouver quoi que ce soit. Cette sale enflure installe des armes chimiques sur des missiles américains pour tuer son propre peuple. Il s'en prend à des civils. Et rejette tout sur Farah. Et sur les États-Unis. Il joue avec le feu. Avec des opérations sous fausse bannière. C'est la guerre qu'il veut. Orient contre Occident. Un combat de titans. Le monde est en danger, Kate. Il faut craindre le pire. On le tenait sous... Putain de connard! J'aurais dû le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Qu'est-il arrivé? Vol Beagle à Bravo 6. Des coups de feu et au moins une explosion confirmée au stade. On compte plusieurs blessés. À vous. Bien reçu, on arrive. Attention, Makarov et ses hommes sont peut-être encore à l'intérieur. Si c'est le cas, ramenez-le-moi en vie. Bien reçu, où sont les secours ? Les équipes médicales n'interviendront que lorsque la zone sera dégagée. Le salon VIP du deuxième étage est peut-être la prochaine cible de Makarov. Bordel de merde. Je vous le fais pas dire. Rose et moi serons là dans 10 minutes. Chopons cet enfoiré, terminé. Makarov a menacé l'aéroport avant finalement décider d'en aller au stade. C'est un putain de psychopathe.
putain de merde. Fais attention où tu tires. On sait pas qui se trouve à l'intérieur. Et Makarov, t'as entendu le général. Les règles d'engagement s'appliquent. Oh le bordel. Bordel de merde. Par contre, ils l'ont pas texturé là, Gilles. Commence bien la mission, j'aime bien là. L'escalier dégagé. La galerie est tout. Je me demande si je vais pas me foutre automatique quand même. J'ai l'impression qu'en coup par coup, elle manque un peu de dégâts. Fais attention où tu tires. Contact, droit devant. Allez, vite. Ici Bravo 6, on est à l'intérieur, on se dirige vers le salon VIP. L'Inner Circle se fait passer pour la police, à vous. Reçu. Tous les agents de police sur place seront considérés comme hostiles. J'avance. Éliminez, vite. On va attendre coup par coup. C'est que là, on a des grenades. Wow. Pas avancé autant dans ce cas, je vais peut-être reculer un petit peu. Je pensais pas qu'ils allaient arriver autant. Là. Ils vont arriver normalement. Ouais voilà. Passer par là ou pas? Fumé là. On doit monter à l'étage supérieur. Bon, sergent, on va prendre les escaliers. Je continue. Ok, bien reçu. Ouais, tu vois, coup par coup. J'ai Raphaël coup par coup et. Impossible. Pourtant, j'ai visé que la tête pratiquement. Donc, ouais, on va se foutre en moto. Ok, sécurise les escaliers. On doit monter à l'étage supérieur. Bon, sergent, on va prendre les escaliers. Je vais quand même faire attention parce qu'il vient par là. Merde! Oh putain! J'étais persuadé que c'était un ennemi. Fais chier! Coup, vite! Cible éliminée! On doit monter au deuxième étage. Passe devant, Soap. Je prends les escaliers! Ah, ils font mal, hein. Et je suis pas un vétéran, hein. Je suis qu'un commando. Hein. Ah,
battu. On occupe. On est au niveau exécutif. La zone VIP est pas loin. Allez, entrons. Zone c'est VIP bon. En vue. Il y a du mouvement à l'intérieur. Fais attention. Après toi, sergent. Force spéciale. Fauvin, je veux voir Fauvin. Financier, tirez pas. Comment vous êtes entré ici? La sécurité. Ils nous ont laissé passer. Avec qui vous travaillez? S'il vous plaît, on essaie de sauver j'ai des vies. J'ai besoin d'aide là. Par ici. Ah ah ah. Ils appartenaient à l'Inner Circle. T'as bien fait, alors. Regardez ça. Ils avaient des explosifs. C'était leur prochaine cible. Leader Goldeagle, on a retrouvé des explosifs dans le salon VIP. Aucun signe de Makarov. Reçu. Sécurisez les lieux. Les forces locales ont établi un périmètre. Makarov aura peu de chances de s'échapper. On sera là dans 5 minutes. Trouvez-le, John. Compris. Le garage. Affirmatif. Sécurisez les explosifs et allez au point d'exfiltration secondaire. Reçu. Là, on va prendre l'ascenseur. Tire. Ça, c'est typique les missions que j'aime bien, tu vois. En plus, elle est un peu plus longue que les autres, j'ai l'impression. Mais j'aime bien, il y a de la filtration et tout, c'est propre. Attention où tu tires, c'est un civil. Mettez-vous à l'abri, allez. Véhicule en approche. À couvert. C'est peut-être Makarov. Descends du véhicule. Sors du véhicule, tout de suite. Attention. Neutralisé. Va le sécuriser. Romain, Romain. Les mains en l'air. Putain de merde. C'est lui. Vladimir Makarov, sors du véhicule tout de suite. Sans geste brusque. Arrête-toi là. Maintenant, plus un geste. Fouille-le. Vous avez peur, capitaine. Vous avez raison. Ta gueule. À genoux, espèce de connard. RS. Vous allez me tuer? Ça m'a traversé l'esprit, ouais. Vous devriez le faire. Et toi, tu ferais mieux de dire à tes hommes de se rendre. Ils ont pas l'habitude de capituler. Ça, c'est plus votre truc à vous. Ne lâche pas des yeux. À toutes les unités, on tient Makarov, on se dirige vers l'extraction. Bien reçu, John. Ils vont tenter de le récupérer. Ouais, bah qu'ils essaient. Prends à gauche, on dégage le véhicule et on fonce. Reçu. Avance. La voie est libre. Bouge. Fais avancer, Makarov. Fais Makarov. Bouge. Vous pensez que je vais vous laisser m'emmener comme ça? On peut te traîner de force si tu préfères. Allez! Me capturer ne vous servira à rien. Ça nous servira à vaincre Vlad. Ne soyez pas stupide. Avance! Contact! Faut qu'on avance. Vous êtes en sécurité nulle part. Allez, avance. Je t'en tue. Ta chance a tourné, Makarov. Je ne crois pas à la chance. Mais à la préparation. La malchance n'est que le résultat d'une mauvaise préparation. Trouvez un passage, sergent. On y va. Je dois dire que j'admire votre courage. Mais maudit votre stupidité. T'en fais pas pour nous. Personne n'est irremplaçable. Pas même moi. Bouge ton cul. Oh, putain. Ces gens ont besoin de soins. Qu'est-ce qui vous empêche de les aider, sergent? Toi,
C'est votre choix. C'est toi qui as fait ça, pas nous. Ce sont des innocents. Personne n'est innocent. La guerre est un jeu de trahison, capitaine. Faites cette connerie. Je suis passé, RAS. Sortie en vue. J'ai dit avance. Je vais te présenter quelques amis à moi. Ils sont où? T'arrêtes pas. Pas loin. Les miens aussi. Ouvre les yeux, t'as perdu. Continue. Pensez encore à la victoire. Alors que vous devrez... Attention! Occupe de Makarov, élimine-les! Je sais pas si c'est fait exprès, mais vu que c'est 4 ans avant, je me demande si ils ont pas fait exprès de baisser un peu les graphismes. J'ai l'impression que là, la mission, par contre, elle est beaucoup moins belle que les autres. Qu'est-ce que c'est voulu? Quelle est votre situation? Bravo 6, on est en position. Faites attention, des ennemis approchent par le nord. Ghost vous couvrira au sniper. Reçu, rendez-vous au point d'exfiltration principal. Terminé. Occupe de Makarov. Dégage-nous un passage. Sécurise la zone, sergent. On doit rejoindre le point d'exfiltration. Cible éliminée. Gaffe à droite. Ah, c'est vraiment des tanks, hein. C'est un truc de ouf. Et le pire, c'est que vous savez, c'est qu'en plus on est que en commando. Hein. C'est ça un peu le pire. Et il était à moi celui-là. C'est bon, on coupe. Un point, il en reste 5. Deux. Ils sont morts. Je vois encore deux cibles. Fais gaffe à gauche. Il y en a encore un là-bas. Je tente le tir. Éliminé. C'est dégagé. Aucune menace visible. Avance avec Makarov. Bravo 6. On approche de la zone d'atterrissage. Reçu. On avance. Ah, on peut pas... Ah merde. On y va. Là, je croyais qu'on pouvait garder le petit gun sur le côté avec le bouclier. Simon Riley, j'espérais que vous resteriez à l'aéroport. Pour y mourir. Si vous voulez vivre, évitez de menacer mes hommes, Vladimir. On s'appelle par nos prénoms maintenant? Herschel? Je connais nos noms et alors? Tout le monde peut lire un dossier! C'est quoi ton plan au juste? Ça. Ça veut dire quoi, ça? Sérieusement? Vous êtes une belle bande d'abrutis. Je t'ai posé une question. J'en ai une autre pour vous. Quelle heure il est? Qu'est-ce que ça peut vous foutre de savoir quelle heure il est? L'heure est cruciale, Général. Personne ici n'oubliera ce moment. Probablement... pour différentes raisons. Aéroport! Il nous a détourné de la cible! Espèce de fils de pute! Sauf il est vénère. Cervelle, Makarov, tu m'entends? Non, je te jure que je vais pas te louper. Allez, tuez-moi! Ferme ta sale gueule! Laisse-moi le buter! Sauf, on le tient. On l'a arrêté, il ira nulle part. Baisse ton arme, sergent. Et il devrait lui mettre une balle en pleine tête. Il faut même pas réfléchir. Avec le nombre de gens qu'il a tués, il n'y a pas de prison pour ce genre-là. Moi qui pensais que vous étiez les gentils. Tu brûleras en enfer pour ça. Tu crèveras dans un goulag comme ces connards de Russes. On se reverra. MacTavish. Je vous le promets.
C'était la bonne chose à faire. Capitaine. Non, plus maintenant. Transmission sécurisée, c'est le Pentagone. Je suis pas habilité, je sors. Non, Nick, reste. Kate, il faut qu'on parle. Je vous cherchais, justement. John, c'est une réunion de famille, fort bien. Vous voulez quoi? Vladimir Makarov, tout comme vous. Continuez, Général. J'ai des infos sur les finances de Makarov. Mais on s'en fout du fric. Soap, si vous trouvez l'argent, vous trouverez Makarov. D'où viennent vos infos? Sans armée, vous n'avez rien. Vous vous trompez encore? Putain, oh l'enculé. J'y crois pas, merde. Soap, je t'ai manqué? Enfin, techniquement, c'est toi qui m'as manqué. Laswell, si vous savez où ils sont, demandez une frappe aérienne. Ghost, c'est pas très gentil de dire ça. Qu'est-ce que tu prépares, toi? Je fais juste mon putain de taf, mon gars. Tu devrais essayer, des fois. Mon putain de taf, c'est d'éliminer l'ennemi. Et devine ce que t'es. Restons professionnels, messieurs. Capitaine, laissez-moi vous l'expliquer autrement. Vous voulez que Makarov passe l'arme à gauche? J'ai ce qu'il vous faut. En échange de quoi? Ma rédemption. Il n'est pas question de partir comme ça. Je veux être associé à une victoire. Regardez vos mails, Kate, on reste en contact. Oh, les fumiers! Ah, on a les coordonnées. J'ai un nom et un emplacement. Je n'envoie personne en mission pour ce type. C'est pas une mission, non, c'est du renseignement. C'est une saloperie de menteur, Kate. Je suis de la CIA, John. Je m'y connais en mensonges. Et vous aussi. Capitaine. On fait ce genre de marché tout le temps. On a l'habitude. Il Après, ils sont quand même bien faits, les visages. Galère ou pas, Gary Carrison. C'est bizarre que Golof a jamais pensé à faire une série ou un film. Johnny, t'es avec moi? Toujours, lieutenant. J'aurais bien une petite série Netflix, Call of Duty. Soyez prudent. D'accord? Comme ils vont faire là pour The Division. Mais franchement, ils sont beaux, hein, les graphismes. Regarderai direct. Combien d'infos viennent de Graves? Ils sont indissociables, les gars. Malheureusement. Pour l'instant, ce sont nos alliés. J'ai vérifié leurs infos. Du solide. Ils ont trouvé qui finance Makarov. Une oligarque dénommée Milena Romanova. Elle s'est on l'a vu au tout début, elle. Des années dans l'ombre. Elle est où? Sur une île privée. Seule et loin de tout. C'est une forteresse paradisiaque. Devinez qui gère la sécurité. Le groupe Conny. Les informations incluaient aussi des plans et des schémas de la zone. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? On peut pas juste embarquer Milena. Légalement, non. Mais on peut détourner son argent. Il y a des serveurs sur l'île qui permettent d'accéder à ses comptes. On va devoir contourner ces systèmes de sécurité. Le responsable doit avoir une clé. On le trouve, je me connecte et je pirate les comptes. On arrive par bateau, puis on se sépare. Je récupère la clé pendant que Ghost sécurise l'arrière du périmètre. On aura besoin d'aide. J'enverrai un drone et vous guiderai depuis le ciel. Vous avez lu dans mes pensées. Allons faire. Ouh, ça peut être l'argent. Une bonne mission, ça. Il y a d'avoir beaucoup de choses à faire. Encore une mission un peu de nuit. Une tempête se prépare. Les gars, vous en êtes où? On est sur la cible, Watcher. On va se séparer. J'ai lancé une reconnaissance aérienne. Au boulot, bravo. J'y vais. Reçu. Notre premier objectif est la clé. C'est l'agent de sécurité de Milena qui l'a. Il est notre cible prioritaire. Sauf, il sera de votre côté de l'île. Oh putain, encore une mission ouverte. Je vais pas le louper. On a beaucoup d'émissions ouvertes là. Je traque la position de notre cible prioritaire. Le signal est mauvais, mais sa position sera actualisée quand il avancera. Ok. C'est un. Vous avez un ennemi sur les quais. Je vais sécuriser le périmètre. On reste en contact. Bonne chance, lieutenant. Ouais, ils en auront besoin. Je regarde sur la plage. Quand la Shadow a fouillé cette île, ils ont laissé du ravitaillement. Voyez ce que vous pouvez trouver. Reçu. Ça peut toujours servir. Putain, vous avez vu la taille de ce bateau. L'argent ne fait pas le bonheur, Johnny. Ça me dérangerait pas de pleurer sur ce bateau. Je pense pas être très malheureux non plus, Laswell. Laswell, vous êtes plutôt mer ou plutôt montagne? Je suis obligé de choisir. Un peu de Jack. Passons, on peut aller là-haut. Laswell.
d'évasion confirmée dans le périmètre. Combien? Il y a une crique avec 4 bateaux pneumatiques, un hélico près de la plage est, et quelques gardes. On ne peut pas les laisser s'échapper. Éliminez-les. Bien reçu. Personne ne s'échappe. Tu dois éliminer la cible prioritaire, sergent. Bouge-toi. Tout de suite. Ah, attendez, y a une boîte là. Pas dedans. Oh, Starbet, c'est pas un drone, un truc. Je sors. Reçu, je vous vois. T'es plutôt bronzage ou coup de soleil maintenant? Un bronzage impeccable, Johnny. Pas monté par là. Évidemment. J'ai neutralisé les gardes à l'arrière. Saboter tous les bateaux et véhicules. Personne. J'adore quand il cale. Je m'en charge. Il cale son flingue sur le côté comme ça. Les grouilles de soldats de Connie. Dégomme-les, Johnny. Avec grand plaisir. Quoi ce bruit? What? Détruit. On attaque à l'hélico. Bon travail, Ghost. Ils ont perdu votre trace pour l'instant. Écoutez, j'ai fait quelques recherches sur notre cible. Il s'agit de Nestor Gauthier. Dites à sa famille qu'il rentrera pas pour le dîner. Je passe à l'intérieur. Fais le ménage et récupère des munitions. La cible est rentrée. Entendu. Il a 2 soldats de Connie avec lui. C'est toujours mieux que 3. Attends qu'il soit seul si tu peux, Johnny. Ah, le problème c'est que le... Wow. Les gardes du périmètre ont été neutralisés. Je vois plus aucun mouvement. Restez là et défendez la zone. J'ai éliminé la cible. Ah, c'est vraiment des mastos, hein, par contre. Hein. Ah bah ils ont pas de silencieux les armes. Qu'est-ce qui relie Makarov à Milena? Depuis quand ils se connaissent, Watcher? Son mari et Makarov étaient amis de longue date. Qu'est-ce qui est arrivé au mari? Il est tombé sur un couteau. 9 fois. Je vois. Milena 9 fois, évidemment. Milena a hérité de sa fortune et Makarov d'une armée. Comme c'est pratique. Je suis devant un bâtiment de l'autre côté du bunker. Je vous vois. Entrez et fouillez la zone. Ouais, non, ça on s'en fiche. Ok. Bon travail, Tétain. Dirigez-vous vers le bunker et utilisez la clé pour attaquer. Vous êtes à découvert. À toutes les unités, je suis dans le bunker. Reçu. Accédez au terminal, Soap. La voie est libre. Ok, le terminal démarre. Beau travail, Soap. Je vois plusieurs comptes, banques et numéros de routage. C'est un début, mais tout est bloqué par verrouillage biométrique. On capte plusieurs appels en provenance de la maison principale. Milena doit être à l'intérieur. Il nous faut son visage, ses yeux, ses empreintes. Reçu. Soap, dirige-toi vers la villa. On va devoir capturer Milena. Attention, le groupe Connie défendra Milena jusqu'à la mort. Ils l'auront voulu.
Allons-y, lieutenant. Merde. Ouah, mais attends, y'a des drones et tout là. C'est chaud. La Shadow est prête à envoyer une frappe de précision. Donnez l'ordre et ils s'exécuteront. Oh, ça va tuer. Je peux y aller? Pour l'instant. Il n'y a pas de gilet... Nom d'un chien. Gilet amélioré ou un truc comme ça. Ce garage ressemble à un putain de musée automobile. Eh ben, j'avoue que le garage est stylé. Attention au drone, c'est un. J'entre dans la maison principale. Reçu. Faites attention, je vais perdre le visuel. Ok, où est Romanova? Caché dans son bureau au deuxième étage, derrière un portail. Comment on y entre? Si vous coupez le système de sécurité, je pourrais ouvrir la porte à distance. Ok, ça devrait aussi neutraliser les drones. Même si on arrive à atteindre Romanova, Connie vous traquera sans relâche. Ils s'arrêteront quand ils seront morts. Très juste. Soap, vous savez quoi faire. Vous me connaissez, Watcher. Je ferai le ménage. Trouvez le disjoncteur. Concentre-toi sur ce que tu fais, Johnny. Ouh, baby. Oh, ils sont dorés, les Deagles, là. Lieutenant, t'en es où? J'ai presque fini. Cherche quoi? Ouais, ok, et interroger? Non mais... J'interroge qui? Il y a personne que je peux interroger là. Tout le monde qui est dead. C'est à l'étage, hein. Il y a des voix en haut. Ouais. Wow. Yeah.
Avec les balles qu'on met. À toutes les unités, le courant est coupé. Juste à temps. Vous pouvez ouvrir la porte. Le petit gun qu'il donne, en fait, il sert à rien. On occupe. Une seconde. C'est bon, la porte est ouverte, les gars. Ils ont joué à l'intérieur, Johnny. Force spéciale, main en l'air. Assis. Va te faire foutre. Assieds-toi, Milena. Je lui mets une balle dans le pied, ça va la calmer. Je n'ai aucun boss. Et personne me dit quoi faire. Comment ça se passe, les gars? Elle veut pas parler. Elle va changer d'avis. Donne-moi ta main. Pourquoi? Vous allez me la couper? C'est pas mon style. Lui, je dis pas. Pourquoi un masque? Pour cacher mon visage. On y est. C'est bien ça pour les ordi. C'est sûrement pas en fouillant mes comptes que vous allez retrouver Vladimir. C'est ce qu'on va voir. Je vois plusieurs comptes de Connie cachés à la vue de tous. Des virements ont été effectués récemment à la prison de Zordaya. Le goulag. Elle a financé l'évasion de Makarov. L'argent ouvre des portes. Alors on va alléger les coffres de Makarov de quelques roubles. Fait. Dites-moi s'il y a une réaction. On vient de virer 85 millions sur un compte secret de la CIA. Le travail de Vladimir a déjà été payé. Vous êtes pas très bon à ce jeu-là. Vous non plus, tous vos hommes sont morts et vos comptes sont grands ouverts. Vous ruinez l'avenir de Makarov, pas le mien. Soap, vous avez entendu ça? Parfaitement. Rendons les choses plus personnelles. Il faut qu'on quitte la zone. Faites vite ou on l'embarque. La Banque Nationale Suisse. C'est ton compte personnel. Pas vrai, hein? L'argent a à peine bougé. Ça va pas durer. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Je crois qu'on a trouvé notre moyen de pression, messieurs. Vidons le compte. Je vous interdis de faire un ça. Un problème, Madame Romanova? J'ignore tout des projets de Makarov. Je le finance, rien de plus. Donne-lui ton doigt. Ou bien dis-nous où se cache Makarov. Je vous emmerde. Vous et votre collègue qui vous chuchote à l'oreille, l'argent qu'il y a sur ce compte est à moi. Je me suis battue pour l'avoir. Insistez, elle va craquer. Dernière chance, où il prend le relais. Il saura que vous êtes venu. Je suis fichue sans mon argent. J'en ai besoin. Et nous, on a besoin de Makarov. Dis-nous où il est. Vostok! De l'argent a été envoyé à Vostok Capital, à Saint-Pétersbourg. Vladimir achète de vieilles propriétés, des bâtiments abandonnés, mais j'ignore ce qu'il fait avec. C'est tout ce que je peux vous dire. Je l'ai trouvé, on a ce qu'il nous fallait. Ce fut un vrai plaisir. Tu vois quand tu veux. Quand vous le supplierez de vous épargner, il vous tuera sans pitié!